c'est extraordinaire le festival parce que c'est un moment fort pour Saint-Louis, pour le Sénégal et pour le jazz. Aujourd'hui, je suis heureux particulièrement d'être ici parce que le Sénégal était à l'honneur doublement avec la présence de Oasis et c'est à Saint-Louis. Et il faut savoir que le festival, c'est l'événement que l'on recherche quand on est ministre de la Culture pour égayer la culture à tout moment, pour faire de telle sorte que les villes vivent avec les cultures, les actes culturels qu'elles créent en fait. Et ce qu'on est en train de faire à Saint-Louis, c'est qu'on a créé un événement qui est maintenant dans le calendrier mondial du jazz. Et ça, c'est une chose qui est en train de donner à Saint-Louis aussi un retour économique intéressant. On investit peu en culture et on récolte beaucoup. Aujourd'hui, tous les hôtels de Saint-Louis sont pleins. Et ça, il faut remercier le jazz pour ça. Il faut remercier les initiateurs du festival de jazz. Il faut remercier la qualité des programmes que les organisateurs ont mis en place. C'est pour ça que le chef de l'État tenu à soutenir ces efforts-là. C'est comme ça qu'on développe les villes. Il faut maintenir un momentum pour ce festival qui a su créer un nom pour le Sénégal et un nom pour la ville de Saint-Louis. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça aussi que le ministère de la Culture s'associe à cet événement et met tout son équipement possible pour que ce festival soit un festival à la hauteur de l'attente du monde. Parce que c'est le monde qui vient voir ce festival. Et donc, mes premières impressions sont extrêmement satisfaites. Et actuellement, j'ai vécu un moment merveilleux avec la prestation de Oasis, qui est un des trésors du Sénégal. Un des trésors, un grand artiste, un grand musicien, un grand homme de culture, tout simplement. Vous savez, ce qu'il y a, c'est qu'il faut réfléchir en deux temps. Le premier temps, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, le comité d'organisation le fait chaque année. Et chaque année, il y a des difficultés parce que ce type d'événement a naturellement des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il faut déplacer des grands artistes de par le monde, il faut les amener au Sénégal. Et ça, ça fait que c'est quelque chose d'extrêmement coûteux et qu'il faut trouver les moyens pour satisfaire ces besoins-là. La deuxième chose, c'est que les moyens sont limités dans chaque pays. Le Sénégal n'est pas un pays extrêmement riche où il y a tout à disposition. En revanche, il y a toutes les bonnes volontés pour faire que ce festival existe et Inch'Allah, chaque année, on fera l'effort nécessaire pour que ça existe. En tout cas, le ministère de la Culture est préparé à ça. C'est un des événements de la scène nationale. C'est un des événements de la scène nationale. Il faut qu'on fasse que ça vive. Et la deuxième chose, vous voyez que le geste du chef de l'État, il ne faut pas regarder ça comme un geste simplement de soutien à un événement banal. C'est parce que le chef de l'État est conscient que ce type d'événement peut apporter à l'image du Sénégal quelque chose de très important que nous le faisons. Il faut des efforts à chacun, il ne faut pas gaspiller, il y a des difficultés, on les rencontre avec les moyens que nous avons à bord, et ces moyens, chaque année, nous essayons de faire plus. Ce qu'il faut, c'est que j'espère qu'on n'arrivera pas à un moment où le festival sera tellement bien financé qu'ils se dormiront sur leur laurier. Ils sont créatifs. Mais c'est à hauteur de 10 millions aussi, si comme vous demandez les chiffres. Et le ministère de la Culture a mis 1 500 000 et puis a mis l'équipement, tout l'équipement que vous voyez ici à disposition du festival. Mais c'est l'effort qui est important et c'est le partenariat qui est important. Ça, c'est un partenariat que nous comptons conserver avec la ville de Saint-Louis. C'est une ville dynamique, c'est une ville créative, c'est une ville qui mérite toutes les attentions et nous lui donnons toute notre attention. D'être ailleurs que chez moi parce que j'aime Saint-Louis et j'ai toujours aimé ce festival. L'année dernière j'étais là, j'ai pas joué mais j'étais là. J'ai présenté un film sur lequel
Mademoiselle avait écrit un très joli article. Et puis, et voilà, donc je me sens vraiment Saint-Louisien, dans le sens où, voilà, Saint-Louis, c'est une grande histoire pour nous, et on se doit, chaque fois qu'on nous appelle ici, de venir, parce que c'est important de venir ici, c'est important de faire en sorte que cette terre vibre encore de la culture, c'est une terre de culture, de tradition, c'est l'histoire, finalement, de l'Afrique qui s'est jouée ici. Donc c'est chez nous, c'est toute notre histoire est là. Donc Saint-Louis, c'est la vraie capitale du Sénégal, pour dire la vérité. Le Sankara que vous avez, fait allusion tout à l'heure, c'est Sankara. Sankara, c'est lequel? Sankara, dans la religion, on n'en parle que d'un, n'est-ce pas? Celui qui ne dort plus, tout simplement parce qu'il a eu le malheur d'être quelqu'un de brillant, d'être quelqu'un qui réfléchit, qui jette un pavé dans la mare. Mais c'est ça la vie. Ici au Sénégal, chaque fois que quelqu'un s'est échappé d'ailleurs, chaque fois qu'il avait traversé la frontière, il était à l'abri. Nous sommes le pays de l'amitié, nous sommes le pays de la teranga. Les idéologies ne doivent pas nous séparer. Et je veux dire, c'est une régression, l'agressivité ou la menace. C'est vraiment quelque chose de terrible. Je pense que tous les intellectuels, quand même, doivent, dans des épreuves comme ça, se montrer. Mais se montrer, pas pour faire la guerre, mais c'est juste parce que nous sommes généreux. Avant toute autre religion, notre première religion, c'est l'amitié. Ça, c'est la première. Ce que les Sénégalais appellent la teranga. L'amitié, c'est ça déjà. Je veux dire, le débat il est éternel. Depuis la nuit des temps, les gens débattent. Donc c'est pas dramatique, c'est pas parce que quelqu'un a un avis. Je veux dire qu'il y a des contre-avis. Il a raison, il a tort, mais peu importe, c'est juste des avis. Ce sont des choses finalement qui ne valent pas le coup d'emballer. Mais ça, il y a des responsabilités au niveau des médias aussi. Moi, je trouve que les médias... Des fois, ils ne jouent pas le bon rôle, c'est-à-dire qu'ils répercutent, ils font l'écho de choses un peu dangereuses pour tout le monde. Et je pense que dans des situations comme ça, il appartient aux médias aussi d'apaiser la tension. Il faut dépassionner les débats, je veux dire. Cet homme étant sénégalais, et voilà, et il fait ses travaux. Et on peut être d'accord avec lui, comme on peut être pas d'accord avec lui. Mais je veux dire qu'aller jusqu'à proférer des menaces, c'est pas sénégalais, ça. C'est trop pays qui a été rappelé à l'ordre. J'ai pas compris, monsieur. J'ai dit un Sénégalais qui s'est trompé, qui a été rappelé à l'ordre. Vous n'êtes pas d'accord? Non. C'est pas la question n'est pas là. Qui dit qu'il s'est trompé? Vous? Ah oui, mais vous avez le droit de le dire. Moi, ça ne me gêne pas que vous dites qu'il s'est trompé. Vous voyez, tout le monde a le droit de dire finalement ce qu'il ressent dans la lumière de son sentiment et puis de ses connaissances. C'est pas, voilà, vous avez raison de dire ça, c'est votre avis. Et je le respecte. Et vous n'êtes pas d'accord? Ah non, la question n'est pas là. Je veux dire qu'on est en démocratie, je veux dire que c'est un débat. Tu vois, on débat et puis voilà. Nous débattons parce que nous sommes des amis. Si nous étions des ennemis, nous ne débattons pas. Tuons pas, nous ne débattions pas. Non, c'est pas une question de solidarité. Tu vois, je n'ai pas lu son livre. Je ne peux pas le commenter. Je suis incapable de le commenter. Tu vois, incapable parce que je ne l'ai pas lu. Et quand je l'aurais lu, pour peu que je puisse donner un avis, c'est quand même, il faut être un expert pour pouvoir donner un avis dans ce sens-là. Et donc, si je n'ai pas d'avis à donner, je ne le donnerai pas. Et donc les gens parlent d'un truc qu'ils ne connaissent pas, et puis voilà, ça s'emballe, et voilà. Je n'ai pas lu son livre, mais je pense que si vous, dans la foi de votre pensée, vous étiez attaqué par quelqu'un, je pense que même si je ne suis pas d'accord avec vous, je viendrai, j'empêcherai à qui que ce soit de venir vous attaquer parce que vous êtes libre de penser. C'est tout. Voilà, c'est tout. Allusion à l'argent passé. Vous dites que bye et vous dites dans cette même chanson, argent passé. Non. Je n'ai jamais dit ça. Mm-hmm. L'esprit de bye. Ah,
Attends, vous avez tous, je pense, ce débat, et encore moi. Mais je sais que Kerbaïn en a, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, c'est mon expérience. Même si c'est dur, des fois, parce que les bails sont durs avec les fils, ils sont durs avec nous parce qu'ils veulent faire de nous des gens bien, des gens doux, des gens forts, des gens courageux. C'est dur, mais quand on grandit, c'est là où on se rend compte que finalement, ils ont eu raison d'être des fois durs. Non, non. Après, je pars en RDC. Je pars en RDC parce que j'ai écrit une chanson. Vous voyez que je suis habilité à essayer de dire des choses. Je vais à RDC, je vais au Nord Kivu. Peut-être que je vais sauter sur une bombe, au nom de la paix. Voilà. Je suis ambassadeur du Sénégal pour la paix. Les Européens m'ont confié une mission d'écrire une chanson pour la paix qu'ils ont produite. Je vais aller au Nord Kivu et je vais aller en Irak, je vais aller en Colombie. Partout, il y a des conflits. C'est moi, Sénégalais. Au Mali, non, parce qu'au Mali, ce n'est pas encore suffisamment sécurisé pour qu'on puisse y aller. Une autre chanson ? Nous sommes
Allez, tu mets, tu mets, tu honneur. Viens, si pas. Demain, il n'est vite, tu fais mieux. Tu sais, ça. Allez, c'est le maman qui gagne. C'est le maman qui gagne. Thank you.